parce qu'à différence de nos dernières sorties, aujourd'hui on a trouvé de l'efficacité. Bien évidemment que la performance est bonne parce que l'efficacité est là. Quand il nous manque l'efficacité, c'est difficile de voir des choses positives, même si nous on les voit. On a fait un match complet des premières à dernières minutes. On a laissé très très peu à l'adversaire, mais c'est un peu une histoire qui se répète, sauf que voilà, aujourd'hui on a su appuyer, on a su être patient surtout, et forcément ça vient. Il y a une autre chose aussi, c'est encore une fois le changement, ils nous font des biens, parce que quand quelqu'un y rentre, il apporte de la sorte, forcément ça met en plus à l'équipe. Oui, bien évidemment, on était content déjà à Paris. Dans la déception, on était content déjà à Paris parce qu'on avait réussi à revenir au score avec un coup de pied arrêté. Ça fait partie du jeu. Vous aurez remarqué, comme moi, que l'adversaire aujourd'hui, il n'a pas eu de coup de pied arrêté. C'est important. Mais c'est à peu près à niveau des performances, à peu près dans la logique de ce qu'on présente ces derniers temps. C'est sûr qu'après, quand il y a cette efficacité-là, on devient forcément assigné à une très très bonne prestation. Voilà. C'est vrai, le penalty, il nous aura pu donner une certaine tranquillité avant, bien évidemment. Mais encore une fois, la qualité des groupes, c'est rester patient et aller trouver tout de suite, presque dans l'action qui a suivi le but. C'est important, pas perdre le calme. On joue sur un terrain qui est difficile, terriblement difficile. Mais voilà, on a marqué un très joli deuxième but. Un très, très joli deuxième but. Voilà, parce qu'on était précis à la finition. C'est important parce que les performances jusqu'à maintenant, ils nous faisaient pas avancer énormément parce qu'avec des matchs nuls, vous avancez pas non plus extraordinairement. Mais finalement, sur les deux derniers matchs, on prend 4 points. C'est intéressant. On tenait à cœur bien finir ces cycles-là, malgré les résultats qui sont suivis. À partir de là, voilà, on va travailler dans un troisième cycle qui commencera au stade de Pierre Brisson, voilà, à Beauvais là-bas, et qui finira comment il s'appelle, le stade d'Annecy, je ne me souviens pas, et pourtant je devais me souvenir, mais le parc des sports d'Annecy, voilà. Voilà. Oui, je pense qu'aujourd'hui, regarder les résultats des autres, c'est tout simplement après que nous, si nous on fait un résultat, forcément on se précipite nettement les joueurs pour voir, parce que il y a le renvoi aussi d'avancer, et ce qui nous manquait ces derniers temps, voilà, bien évidemment, il faut pas en avoir de regrets. Je pense que dans un championnat, il faut passer par là. Aujourd'hui, on jouait un match chercher des pressions pour nous, bien évidemment, parce qu'on voulait vraiment couper cette série-là des matchs nuls, on peut dire, même s'il y a eu la défaite contre Auxerre. Mais dans les jeux, d'abord, dans les jeux, parce qu'on était cohérents. Et après, encore une fois, dans l'efficacité, dès qu'on la retrouve, voilà, on devient beaucoup plus intéressant. Et en réalité, l'objectif, c'est d'essayer de gagner la plus grande quantité de matchs, parce qu'on sait que les victoires, et on le voit bien, ils font avancer. Je ne peux pas dire jusqu'à maintenant qu'on se contentait avec un nul, parce que ce n'était pas le cas. Autant Dieu sait qu'on a fait des nuls. Mais j'avais dit aujourd'hui aux joueurs qu'en gardant ce type de performance et en trouvant
de l'efficacité, on pouvait devenir l'équipe qu'on a été au début de l'année, début de la saison. Merci, bonsoir. Voilà, vous l'avez dit, tout est résumé. C'est-à-dire qu'on fait une bonne entame de match, on prend un but à la 16e minute et on a arrêté de jouer. Donc jouer un match, jouer 16 minutes sur 90, c'est trop peu à mon goût. Et je pense que le fait d'en avoir pris 3 ce soir, c'est une grosse gifle pour nous. Mais elle aurait été... Elle aurait pu être bien plus importante. Donc, forcément, on ne peut pas passer d'une semaine à l'autre avec un match plein, accompli, avec de l'envie, à un match où on n'existe que pendant un petit quart d'heure. Ben c'est les questions que l'on se pose, tout simplement. Non, ce n'est pas le syndrome extérieur, parce que nos matchs à l'extérieur, depuis le début de la saison, bon, ils n'ont pas été soldés par beaucoup de points glanés. Je crois qu'on a fait qu'un match nul à Nîmes. Mais sur d'autres rencontres, le contenu a été beaucoup plus intéressant que ce soir. Ce soir, ça a été en deçà de tout ce qu'on pouvait espérer. Oui. C'est pas oui. Tellement à la maison, parce qu'on sait que la maison, c'est là. Oui, non, mais je pense que voilà, le problème, ce qui est la grosse frustration, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'avoir une équipe qui est très intéressante. Et alors, jusqu'à présent, ça n'avait pas été le cas. On avait fait un match à domicile en Coupe de la Ligue face à Laval où on avait peiné. Ce soir, c'est la première fois où véritablement on sombre comme ça. Et ben on veut tout de suite tirer la sonnette d'alarme pour ne pas que le fruit se pourrisse davantage. Voilà, tout simplement. Dans les vestiaires, vous avez demandé à vos joueurs de se remettre en question, forcément ? Oui, alors à chaud, c'est jamais bon de donner son point de vue. Mais quoi qu'il en soit, comme il y a une trêve de 15 jours, j'ai préféré dès ce soir parler à mon groupe. Merci.